Salut à tous. Alors je vais vous expliquer comment est-ce qu'on fixe une motorisation de portail à un portail. Parce que ce qu'on voit souvent, c'est des installateurs qui mettent des vis autoforantes. Donc c'est bien, ça va vite, mais par contre dans le temps, ça se desserre et ça se tient pas bien. Donc nous, on va mettre ce qu'on appelle un insert. C'est comme un petit rivet qui va venir s'écraser derrière la toile du portail pour venir fixer le portail. Donc là, il vous faut une pince à insert. Ça s'achète soit sur internet, dans les magasins de bricolage, c'est un peu plus dur à trouver. Et l'idée, c'est que vous allez faire un trou un peu plus gros à la taille de l'insert. Vous mettez votre insert au bout, vous venez l'insérer dans le trou, hop, et vous pincez. Ce qui fait que vous avez un vrai filetage dans le portail, donc il y a peu de chances que ça s'arrache. Et après, vous pouvez venir mettre une vis classique avec une rondelle, bien sûr. Ça, c'est pour vous montrer l'exemple, pour venir le fixer au portail. Donc grâce à ça, ça évite les arrachements du portail et ça évite que avec le vent tout s'arrache. Voilà.